t'as l'impression que les gens dans les théâtres, c'est des gens issus des quartiers un petit peu bourgeois ou tu vois, ou en tout cas avec beaucoup plus de facilité et de moyens. Donc on avait envie aujourd'hui de montrer à tous ces gens qu'on a un spectacle qui, je pense, est international, parce que ça raconte l'histoire d'un voyage, ça raconte l'histoire d'une amitié, on parle d'amour, on parle de tristesse aussi, d'une séparation, parce que la vie c'est comme ça. Aujourd'hui tu rencontres quelqu'un, bah demain ton chemin se croise et c'est la vie. Et je pense que nos parents sont venus avec des amis et qu'aujourd'hui il y en a un qui est en Hollande, un qui est en France, un qui est en Espagne, c'est la vie. Donc moi je voulais vraiment, avec mon équipe, pousser un petit peu ce message-là, pousser, montrer à Bruxelles et en Belgique qu'il faut ouvrir les portes à la diversité. Et prenez votre pied sur scène, n'oubliez pas sur On n'oublie pas, prends tout son pied. Allez. Prends son pied sur scène. Je connais la troupe depuis un certain nombre d'années, j'avais déjà vu la pièce et j'ai beaucoup apprécié la thématique, étant donné que ça me concerne un peu directement. Et je trouvais que l'écriture était assez intéressante et qu'il y avait quand même, au niveau de la mise en scène, quelque chose de très lucide. En tout cas, par rapport en tant que comédien, le travail m'intéressait. Et donc, quand ils m'ont proposé, j'ai accepté directement pour ces deux raisons-là. Je suis issu de l'immigration aussi, je suis la deuxième génération. Et donc, automatiquement, on a envie de raconter l'histoire de nos parents, mais on n'a pas envie de le raconter comme habituel dramaturgie, etc. On a voulu en rire et utiliser la comédie pour raconter cette histoire-là, de manière à ce que les gens rient, mais en même temps découvrent en tout cas une histoire qui est encore un tout petit peu méconnue ici en Belgique. C'est la troisième aujourd'hui. Pour l'instant, les deux premières, elles ont été fantastiques. On espère qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va en faire une bonne. On a un public très différent, des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs. Donc voilà. Marcel, 5-6. Il reste 5-6 places, donc ça va commencer dans quelques minutes. Allez, vous êtes avec nous. Force, hein, les gars. Force et honneur. Bonsoir, ici J. McFly, captain of the crew. Mesdames et messieurs, les petits-enfants, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. J'espère que vous êtes assis confortablement et que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Au programme ce soir, la vie c'est comme un arbre. De la troupe, les voyageurs sans bagage. Hola Hassan! Hola Azouz! Mon client préféré! Hola Hassan! Abdelhak, mon client préféré. Hola Hassan. Hola Hamid, mon client préféré. Viens dans mes bras que je t'embrasse. J'ai un contact pour l'Europe, à Bruxelles, pour du travail. Oh, pas de bagarre dans mon établissement. Vous voulez aller en Europe? Ouais. Vous voulez aller à Bruxelles? Ouais. Vous voulez des femmes? Ouais. Oh, ouais, c'est qui? C'est les amis de Hassan. Oh, pourquoi tu cries comme ça, mon vieux? C'est parce qu'on est au Maroc, c'est 3000 kilomètres. Écoute-moi bien, mon gars. Tu sais, c'est la technologie, hein, maintenant. La technologie, c'est quoi? C'est comme si toi et moi, on est l'un à côté de l'autre, hein. À quoi ça doit ressembler l'Europe? Il paraît que là-bas, en Europe, et ils ont des tunnels, enfin des trous, c'est des tunnels comme ça, des longs trous. Et dans ces trous, il y a des voitures, mais des longues voitures. Et dedans, tu ramasses des pierres. Tu ramasses des pierres et t'es payé 4 francs de l'heure pendant 15 heures par jour. Et après, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que vous buvez? Moi, je veux qu'on fasse comme les Européens. Qu'on boive du jus de raisin qui pique et qui fait tourner la tête. Papa, je pars avec Abdelhak et Hamid, on va en Europe, j'ai trouvé du travail à Bruxelles.
bien, mon fils. C'est bien. Papa, hey, je vais aller là-bas, je vais travailler avec, et je vais revenir avec plein d'argent, tu vas voir. Et tu seras fier de moi pour la première fois. Mes parents commencent à prendre de l'âge. À la trentaine d'années, tu commences à dire tes parents ont raison dans ce qu'ils ont dit, dans ce qu'ils ont fait. Et j'ai refait le chemin en arrière. Peut-être que aussi la mort de ma grand-mère, la Rahma, m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que ma mère, quand elle a quitté le Maroc jeune pour travailler, n'a pas vu ses frères et sœurs pendant plusieurs années. Puis elle les a vus que chaque été. Et de se rendre compte que voir sa famille une fois l'année pendant un mois et demi, et ça toute sa vie, je pense que c'était un sacrifice, c'était un courage. Quand je vois parfois la jeunesse qui a souffert comme moi de la double identité, on a un manque de repères, on ne sait pas qu'on est immigré, on est en Belgique, on croit qu'on est chez nous, puis on se rend compte qu'on n'est pas chez nous, par plein de petites choses, dans le boulot, se faire refuser dans des entrées de karaoké ou de café, des choses comme ça. Parfois des contrôles de police qui se passent mal, l'amalgame qu'on fait entre Marocains et délinquance, alors que c'est plutôt pauvreté et délinquance. Toutes ces choses-là, c'est pour dire aux jeunes, si nos parents ils ont fait ce sacrifice, s'il vous plaît, venez, on les remercie. Soyons positifs, soyons constructifs. Même si c'est difficile, n'allons pas vers la drogue, n'allons pas vers la prison, n'allons pas vers la délinquance. Soyons forts et soyons forts comme nos parents. Abdelhaq Idrissi. Nice to meet you. Footballeur professionnel. Toi, tu joues le foot. Cachet, argent, flouze, dinero. Quoi? Moi et mes amis, on ne donnera aucun cachet. Ouais, il a raison. Effectivement, il a raison. La corruption est un mal qui ronge notre société et nous empêche d'arriver au stade des pays les plus développés. Et comme l'a très bien dit mon camarade ici présent, lui et ses amis ne donneront absolument aucun cachet. Mais moi et mon ami, on donne cachet. Ouais, il a raison. Bruxelles. Ben, ce personnage, c'est un personnage que j'ai croisé souvent en arrivant à Tanger, en descendant du bateau. Ils étaient toujours là. Premier contact très dur, alors qu'on vient au bled, on vient en vacances et tout ça. Bon, là, ce qu'il y a, c'est le donner plus difficile. Donc, ce n'est pas pour rentrer, parce que ça n'a jamais été un problème de rentrer au Maroc, c'est d'en sortir. Franchement, j'ai trouvé ça très noble de rendre hommage à nos parents, nos grands-parents qui sont venus, ceux qu'on appelle la première génération, de leur rendre cet hommage parce que voilà, ils ont tout quitté. Moi, mon grand-père, la Rahmo, a quitté le Maroc. Il a laissé ma mère enfant là-bas et tout pour leur assurer un avenir. Et donc, voilà, il fallait leur rendre hommage. Puis, ils m'ont dit, voilà, on a une troupe. On aimerait vraiment que tu fasses partie de la pièce. Moi, c'est Issa Makel qui est venu le premier vers moi. Et donc... Il connaissait un peu mon travail et il m'a proposé de faire partie de cette aventure. Et on ne peut pas refuser, refuser ça. Quoi. Bonjour, Khoyotech. Bienvenue en Belgique. Welcome, mes paupières. Ceci est un contrôle de douane. Dit is un contrôle van de douane. Je vais demander au requérant du véhicule immatriculé à 743. De bien vouloir me donner sa carte d'identité, son passeport, sa carte jaune, sa carte verte, son permis de séjour et tout ce que vous avez. Iquil. Et papier. Et. Deux. Trois. Quatre. Un cheval de papier. C'est bien. Je constate qu'il y a tous les cachets. It is good. Et constater... Corruption. Corruption.
Ah pardon, monsieur, on croyait que c'était pour la taxe régionale sur l'importation internationale subsaharienne. S'il vous plaît. Alstublieft. S'il vous plaît. Bienvenue en Belgique. Eh, hey, monsieur. Dans le cul, hein. Alors on est ici à Bruxelles où c'est très multiculturel comme vous dites, mais on aurait pu être à Paris. Donc c'est une richesse d'être dans la multiculturalité ici en Belgique et à Bruxelles. Oui, tout à fait. Moi je suis pour ça. Mais la multiculturalité dans tous les sens. Elle peut être au niveau des origines, elle peut être culturelle, elle peut être religieuse, elle peut être vraiment dans tous les styles. Je pense que la télé aujourd'hui doit ouvrir la porte à cette multiculturalité. Malheureusement, aujourd'hui, voilà, on a un style de télé, on a un style de théâtre. Je pense que le théâtre doit s'ouvrir. Et donc, c'est pour ça que je trouve assez intéressant ce genre d'initiative. Même si les théâtres ne prennent pas directement cette initiative, le mettre en avant, mais ils prennent quand même l'initiative d'exister et de créer cette diversité. Pour moi, le vrai Bruxelles, c'est ça. C'est ce qui se passe maintenant. Regardez, on a froid, on n'a rien à manger. On va tous mourir. Mais non, il ne faut pas dire ça. On va appeler Belmondo. On va avoir le travail, la maison, tout va s'arranger. Mais non, c'est pas vrai. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé comme ça. On était mieux chez nous. Et ton courage, jeune homme, tu l'as mis où? Il faut se serrer les coudes. Ah, c'est bon pour le business. Salut les gars, ça va? Oui, oui. Oui. Vous êtes les copains de Hassan? Oui, oui. Vous avez mal aux yeux? Oui, oui. Vous foutez de ma gueule? Oui. Écoute, je sais bien que dans mon cœur, tu resteras pour toujours le plus grand, le plus beau et le plus fort. Ça, je sais. Mais écoute, tu dois comprendre. Azouz, c'est l'homme de ma vie, j'en suis sûre. Et d'ailleurs, si je dois tout quitter pour aller vivre avec lui, eh bien, tant pis! Ainsi soit-il! Eh, hey, cool, cocotte! Vous avez interprété le rôle du Belge. Est-ce que vous êtes réellement Belge? Eh ben, hélas, non. Je suis moitié Irlandais et moitié Grec, donc fils d'immigrés aussi. Et c'est pour ça que cette pièce de théâtre me parle beaucoup, parce que mes parents ont vécu la même chose, plus ou moins. Bon, plus facile que l'immigration marocaine. Mais voilà, mais je suis né en Belgique, et j'ai côtoyé des Bruxellois, des Marocains, un peu de tout. Et voilà, c'est pour ça que je me suis inspiré des Bruxellois. Chaque fois qu'on joue, c'est un réel plaisir, parce que c'est la rencontre avec différents publics. On pense que la pièce, en fait, correspond à un certain public populaire. Mais aujourd'hui, on a pu constater, nous, comédiens, qu'il y avait certaines personnes âgées de tout âge, et des Belges, des Marocains, des Tunisiens, etc. Et tout le monde a eu... à rigoler de la même manière, donc je pense que la pièce peut parler à tout le monde, donc ça c'est vraiment l'objectif qu'on aimerait bien atteindre, et je pense qu'on l'atteint petit à petit. La base de toute histoire, se dire ben tiens, il nous faut des personnages forts, et réfléchir bien les mettre en place pour, et bien les différencier surtout, donc ça vient un peu de nous, et il y a l'intellectuel, bah, tout simplement, moi j'ai ce petit côté là, mais je l'ai mis bien en exagération, puis il y a Abdelhak qui nous permet de partir dans tous les sens, qui est le petit personnage un peu farfelu et feu follet, joué à merveille par Mohamed Houchen, et aussi le personnage du beau ténébreux qui est Hamid le coiffeur, voilà, un petit peu James Dean. Et donc ça nous permet, ben, grâce à ça, d'avoir plein de situations différentes. Oh, 4 francs de l'heure. Oh,
Chargez. Ramassez. Ramassez. Chargez. Chargez. Décharge et... 4 francs. Et après tu fais ce que tu veux. Après tu fais ce que tu veux. Bien joué, vraiment. Oui, tout ça. T'es à la hauteur. Oui, oui, vraiment. Surtout le petit. Mais le petit, il est impayable. Vraiment épatant. Attends, oui. Les autres aussi, hein, mais celui-là, il est épatant. C'est magnifique parce qu'on voit vraiment la vie. Hein, de... Nous, on n'est pas au courant. Hein, on se dit, ben oui, la vie est comme ça, mais on ne sait pas que vous aviez eu vraiment très difficile. Là, on voit l'état d'esprit des gens qui sont obligés de partir pour gagner leur vie. C'est un gros déchirement. J'ai adoré, je rigolais tellement que mon maquillage a coulé. Je suis d'origine irlandaise, un peu comme les autres là. Je suis arrivé en Belgique. C'est pas toujours facile d'arriver et s'intégrer dans une autre culture. Hein. C'est quelque chose. Hein. J'ai bien aimé parce que c'était drôle, beaucoup d'humour et beaucoup de finesse aussi. Par rapport aux étrangers qui arrivent en Belgique. Et la famille, le soutien des autres, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Nous, dans notre génération, on n'osait pas faire des théâtres comme ça. Et maintenant, on parlait avec madame, son fils y jouait dans la pièce et on était très 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 contents. Ils sont très bien, hein. J'ai rien à dire que c'est très 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 bien. Franchement, c'était une bonne pièce, bien marrante. Elle m'a fait beaucoup réfléchir. Étant moi-même comédien, je peux dire que c'était une pièce franchement humoristique, drôle et en même temps, elle était bien. Franchement, ça s'est super bien passé. C'est toujours très agréable, hein, je pense, de voir ce spectacle-là. Il y a pas mal d'émotions qui passent. On rit, on est ému, un peu de tout. Donc ouais, ça fait plaisir. Autant il y a un beau message, autant il y a de la profondeur, autant il y a de l'humour. Il y a des fois un peu de tristesse. Et c'est vraiment à découvrir et à voir. Ils ont assuré. Hein. Moi, j'ai franchement aimé. J'ai beaucoup ri. Et donc... On va faire un petit reportage sur le spectacle. D'ailleurs, il y a une équipe d'AMTV qui est en train de réaliser ce reportage. Donc la vie, c'est ? C'est comme un arbre. Il y a le tronc, il y a les racines et il y a les feuilles. Et les feuilles, il faut arrêter de les rouler. Donc la vie, c'est comme un arbre et les racines, il ne faut pas les oublier. Après, on fait ce qu'on veut. C'est comme un arbre. Il y a les feuilles, il y a le tronc et il y a les racines. Et les racines, ça s'arrose. Qu'est-ce que tu bois, Median TV ? Quel plaisir de pouvoir travailler pour la Belgique! Quel plaisir de faire des murs! Quelle joie d'avoir les mains noircies par le charbon et les ongles salis par la suie! Quel bonheur de travailler pour la Belgique!